Aclamó Dios. Aclamó el Señor. Ah, si corto la física toda. Maintenant nous pouvons nous asseoir. Vraiment, nous courons derrière les minutes. Le temps sera vraiment très court pour la prédication. Alléluia. Amen. C'est le dernier culte de l'année. Le culte général de l'année. Parce que le culte continue dans nos paroisses. Mais le culte général c'est le dernier de l'année. Donc comment on a mars, le 26 mars à Bruxelles. On va encore se retrouver le 26 mars à Bruxelles. Et ça sera une grande joie encore de revoir toutes les chorales qui ont prêté aujourd'hui. Comme nous attendons la nouvelle année, examine-toi. Qu'est-ce que tu as fait en cette année finissante pour réjouir le cœur de Dieu? Si on balance des bonnes et mauvaises œuvres, de quel côté la balance va pencher? Tu connais comment est-ce que tu as servi Dieu? Tu connais comment tu as marché avec Dieu? Est-ce que vraiment tu as réjoui le cœur de Dieu cette année 2016? Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. 12 mois de l'année 2016. Combien de fois par an tu as donné ta dîme? Alléluia. Amen. Vraiment, un exemple. Parce que la dîme appartient à l'éternel Dieu. Donc, 12 mois. Et au courant de l'année 2016, combien de mois tu as été fidèle à la dîme de Dieu? Tu connais la réponse. Parce que chaque fois, oh Dieu bénissez-moi. Dieu n'est pas un charlatan. À l'égard du Seigneur, si tu pratiques sa parole, il agira conformément à la parole. Alléluia. Amen. Chaque fois, le Seigneur nous donne des remarques, des reproches. Même avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, même au temps du Seigneur lui-même, même en ce temps présent, Dieu nous avertit au jour les jours. Nous approchons de la nouvelle année 2017. Je vous dis la vérité. Il faut compter qu'il y a une année de moins dans ta vie et nous nous approchons de la mort. C'est une année de moins. Et nous avançons vers la fin de notre vie. On sera plus reculé. On va toujours avancer jusqu'à la mort. Et Dieu nous met, nous donne des remarques. Il nous donne des remarques tous les jours. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a beaucoup de remarques ou de reproches. Des avertissements. On va prendre un ou deux avertissements. Je demande au pasteur Armand de nous lire en français. Papa, lui, il y a qu'à connaître la Bible en lingala. Et papa. Papa, il lit en lingala. Matthieu. Chapitre 24. 24. Verset 11.
11. Ne ferme pas. Soyez attentif à l'avertissement du Seigneur en ce moment. Matthieu 24, verset 11. Il est écrit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Jusque là. Tu ne fermes pas encore. Les gars. 11. Basakoli mingi na lokuta, bakotelema e bakopengwisa mingi. Alléluia. Amen. Otro comme la tango la souka. Nous approchons du temps de la fin. Ben kanya tous akomona ya kodeke za kole. Et nous voyons les signes du temps de la fin. Malomo Yesu Kristo alobaka. En ce temps-là, Jésus a prêché. Et ça dit qu'on va l'appeler, non? Et ça se dit aujourd'hui. Ben bakamawe za komona la kimone. Et ça s'accomplit aujourd'hui. Alors, il y a tant de soukars. Au temps de la fin, Basakoli mingi à l'okuta bakoya. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ben bakopengu se bele na ba. Ils vont séduire des multitudes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens se proclament prophètes de leur propre désir. Mais pour avertir les Philippiens, ils sont venus prêcher de différentes manières. Mais ils prêchent pour leurs propres intérêts. D'autres pour leur argent, leur richesse. D'autres pour leur gloire. D'autres s'élèvent, ils servaient de matin, ils devenaient apôtres. Aujourd'hui, il est devenu prophète. Aujourd'hui, je suis un évangéliste international. Amen. Mais vous les voyez clairement, les faux prophètes, par leurs œuvres. Leur fruit. Délivrance, c'est la parole de Dieu qui délivre. Jésus est venu avec la parole. Et la parole a guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a avertis, mis en garde. Beaucoup de multitudes de prophètes dans ces pays. Pose-lui la question, comment est-ce que tu es devenu prophète? Quelle est ton origine? C'est la vérité. Moi, si on va me demander, je dis, c'est Adi Dabala qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Même ce que nous avons devant nous, si on va leur poser la question, ils vont leur dire: papa, on nous a imposé des mains, on est devenus des prédicateurs. Amen. C'est le don à partir d'Adi Nabala. Et passé chez le pasteur Oya. Et s'est répandu chez eux. Mais pose la question au prophète aujourd'hui. D'où venez-vous? Qui t'a établi? Et il va t'appeler pour être délivré avec l'huile. Jésus nous a mis en garde. Il y a qui peut causer ses bénins à bain. Ils ont séduit des multitudes de chrétiens. Et il y a des multitudes de ces gens d'église partout. Il y a d'autres églises qui sont dirigées par les diables en personne. Oui, je suis pasteur. C'est l'adepte du diable. Mais toi, tu as la véritable parole. Amen. Tu es la parole véritable.
Ne soyez pas séduits par de fausses paroles. Verset 12, Balobini. Oh, verset 12. Verset 12, il est écrit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ok. Linga. 12. Fetroete. Moguru ekoika na mingi. Bolingo na mingo eko joa mpio. Alléluia. Amen. Lokola moguru eko zala mingi. Comme l'iniquité va s'accroître. La charité va diminuer. L'amour ne va plus se manifester. Alléluia. Amen. Amen. Et la foi va se refroidir. Ils t'ont enlevé la foi que tu avais. Et tu avais un pas en arrière. Toi qui ne vivais pas, tu commences à boire. Toi qui avais peur de l'impudicité, maintenant c'est la monnaie courante. Regarde comment les faux prophètes ont fait les séduire. Aujourd'hui, Dieu met en garde l'église de malade. Nous nous approchons de la nouvelle année. Ils sont là, ces faux-pères. Et ils te cherchent, toi aussi. Ils cherchent à te tendre la flamme de cette église. Pour te prendre les dons que Dieu t'a donnés. Alors que Dieu te met en garde. Amen. Que tu ne perdes pas ta foi. Alléluia. Amen. Confie-le à la terre. Ne ferme pas. Quel est la Luc, chapitre 18? On va faire une démarche à Luc 18. Verset 8. Verset 8. Écoutez la question que Jésus a posée. Écoutez l'interrogatoire du Seigneur. Pour nous, peuple de Dieu en ce lieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin, cet après-midi? Luc 18, verset 8. Ok. Il est écrit: je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoutez la question. Lisez seulement la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Linga. Oui. Question seulement, lisez seulement la question. Motuna. Et quand il y a la moto, à Kokuta Kondima, à Wanase. Alléluia. Amen. Baye Makamana Namir. Namir a chanté. Jésus revient. Oui, il revient. Il revient. Il est en route. Mais lorsqu'il reviendra, que trouvera-t-il dans la foi? C'est la question qu'il te pose ce matin. À son retour, te trouvera-t-il dans la foi? Ou tu seras séduit par les faux prophètes? Le monde passe. Et tout ça, sa vanité passe. Mais gardez la vie éternelle. Et que personne ne te rafle. Gardez la vie éternelle. Que personne ne te ravisse la vie éternelle. Lorsque Jésus reviendra, te trouveras-tu dans la foi? Ça, c'est la question qui nous est posée. C'est la question à chacun de nous ici présents. Même pour nous les pasteurs. Même quand nous prêchons, nous ne prêchons pas seulement vous. On se prêche aussi nous. Lorsque Jésus reviendra, vous nous trouverez-t-il dans la foi? Dans l'œuvre qui vous a confié, même si elle est difficile, même si elle est vague, même si elle est combat, Jésus vous trouve.
trouvera-t-il dans la place qui t'habille? Amen. Amen. Alléluia. Bon, moi je parle parce que j'ai un pied d'achoppement. Mais si tu me dis que je vous quitte, je vais t'aider à bien partir. Je vais t'aider. Parce que tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus bébé. Matthieu 24. Maintenant, on revient au commencement. Tant qu'à verset 10. Au verset 10. Jean-Marie, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écoutez les choses de fin des temps de l'enfer. 24, verset 10. 24, 10. Matthieu 24, verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. J'en ai la décision, papa. Encore. Vraiment, ils comprennent mieux les Français que les Lingala. Amen. Alors aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Lingala. 10. Bon, non. Mingi bakoyoka soni, pe bakokaka tana, pe bakoyinana, kati na bango peza. Alléluia. Amen. Bakoyoka sakuri na lokuta. Lorsque les faux prophètes vont apparaître, on a besoin de makamesa katina. Ils vont te faire des choses vaines. Et alors quand il est beaucoup makasa de la Bible. Qu'est-ce qui va arriver? Koyinana. Les gens vont se haïr. La haine. C'est alors que vous avez de la haine pour rien. Vous savez, il y a juste un peu de la Il vous voit comment vous avez de la haine. Il n'est pas le poste de Dieu. Il parle à l'église. Amen. Avec nous, non seulement nous envers. Non, Bruxelles, avec c'est pas notre problème. La mine vient pour moi seulement, moi c'est pas mon problème. Charles-Roi dit non, moi c'est mon affaire. Oh, que nous sommes un seul peuple. Nous sommes une seule famille. Un seul Dieu. Un seul Seigneur. Un seul baptême. D'où vient la haine? Regarde, l'année touche à sa fin. C'est la fin de l'année. Papa, on a besoin de tout un problème. On n'a pas de problème. On s'appelle tous les jours. Matin, midi, soir. Tu fais ici avec ton collaborateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'en a bon. Et tu fais ainsi avec ton voisin, ton ami, ton frère, ta soeur. Le bien-aimé dans le Seigneur. Toute une année. Vous n'êtes pas vu. Vous n'êtes pas salué. Vous n'êtes pas entretenu. Aujourd'hui, Dieu bénit, Dieu bénit. C'est pas si Dieu vraiment c'est un couloir. Dieu n'est pas notre oncle. Hein? La Bible déclare là où il y a la haine, hein? Dieu n'y est pas. Dieu est là où réside l'amour. Il convient qu'on séjourne. Toi qui es à Bruxelles,
Amen. Dis-toi, j'ai mes frères et sœurs à l'envers. À Namur. À Charleroi. Il en est de même. C'est lui de Charleroi. Il dira, j'ai mes frères en vers. À Namur. À Bruxelles. Alléluia. Tous allons parler à ta mort. Nous formons une même famille. Je ne pouvais pas donner la sainte scène. Il y a encore ces choses parmi nous. Si ça va s'arrêter le 26, on va donner la sainte scène. Il convient qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes ici présents, qu'on s'accueille, qu'on se parle, qu'on se pardonne, que nous formons un seul. Alléluia. Amen. Ah, tant la soukéye. Le temps de la fin approche. La Bible déclare. Thessalonicien. Chapitre 3, comme la verset 1 qui n'a fait. De Thessaloniciens 3. On va parler, on n'a pas le temps. Mais je vous dis. La Bible dit ceci. Au temps de la fin, il y aura des dures épreuves. Passe. Des épreuves, des difficultés. Passe. Des difficultés. La Bible dit, en ce temps-là de la fin, il y aura des tribulations. Oui, il y a des tribulations parmi nous. C'est comme, c'est pas parce que tu es en Europe et que tu n'as pas de difficultés. Nous avons des problèmes qui nous accablent. Nous avons des problèmes. Tu as des problèmes. Peut-être si pas l'argent. Peut-être le peut-être les enfants. Mais tu as un problème. Alléluia. Pas ces années. Il y aura des tribulations. Peut-être que Dieu nous a épargné de la famine. Parce qu'il n'y a pas la faim. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer, tu vas manger. Tu vas t'attendre, qu'est-ce que je vais manger? Parce qu'il y en a au frigo dans la maison. Tu veux boire du lait, tu vas boire du lait. Tu veux manger de la viande, tu vas le consommer. Des poissons, tu vas le prendre. C'est dans ta maison. Mais il y a des choses qui constituent des tribulations pour toi. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Si tu n'es pas en unité avec Dieu, pour haïr ton frère et ta soeur, comment est-ce que la tribulation va te quitter? La Bible te dit, au temps de la fin, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Écoute comment les gens se glorifient eux-mêmes. Je dis pasteur. Pasteur bishop. Mais pasteur, c'est au-dessus de tout. Azali contraire aux avocats. Mais c'est le contraire d'être pasteur. Pasteur Azali Mouhumbu. Le pasteur, c'est un serviteur. Mouhumbu. C'est un serviteur. Tu ne dors pas. Tu pries pour le peuple de Dieu. Il dorme. Il rêve. Mais le pasteur, toute la nuit, il prie, Seigneur, aide ton peuple, bénis ton peuple, assiste ton peuple. Amen. Bon, je suis pasteur. Ah, tu ne connais pas. Amen. Yo, pasteur. Tu es pasteur. Si tu veux ta gloire. Bandako la bandini bolo yebi. Est-ce que tu connais même l'adresse de tes fidèles? Amen.
L'adresse de brebis était, tu connais leur résidence. Tu connais leurs difficultés. Tu connais leurs difficultés. Tu viens seulement à l'église croiser les pieds. Et ici, ils sont pas là. Tu commences à les blâmer. Un jour à Bruxelles, à côté pasteur, il y a un pasteur qui blâme les mamans. Je ne peux pas dire. Parce qu'ils ne viennent pas dans l'équipe des mamans. Ils ne travaillent pas. Et je dis, prends la place. Parmi ma maman, elle va me là. Où est ta femme parmi les mamans? Comment d'abord pas ta femme? Alléluia. Amen. Amen. De telles personnes, on va les remarquer parmi nous. Batouki. Les blasphémateurs. Les autres. Ils cherchent seulement l'argent. Il y a d'autres églises. Je vous dis la vérité. Comment on vous donne les offrandes? Vous ne mettez même pas dans le panier. Vous donnez le pasteur, il met directement dans sa poche. Dans d'autres églises. Vous donnez, il met dans la poche. Et si la église va prendre. À l'avenir, Dieu vous met l'inspecteur de Dieu. Et ça dit. Il y a des églises comme ça en Belgique. Il y en a en Belgique. Alléluia. Amen. Mais l'offrande est dite. Mais l'offrande est dite. Alléluia. Amen. Ah, je vois que vous n'êtes pas encore vraiment. J'ai encore des réserves à vous dire des choses. Parce que vous allez dire non, pasteur, ça ne suffit pas encore à notre foi. Alléluia. Amen. Bon, l'offrande est dite. L'offrande et les dîmes appartient à qui? C'est à qui? Le corps à côté. Bon, comme on a mis les paniers ici, jamais rien qu'à vos camarades. On a dit, Seigneur, viens prendre ton argent. On a sorti notre bateau. Mais c'est la question que je vous pose. Mon ami a Zambé. Vous avez dit ça, Dieu. Le corps à côté. Comme on a mis là. On va prier, Seigneur, l'argent est là, viens prendre. Mettez-vous debout les fidèles envers. Ceux qui prient envers, si vous êtes présent. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Vous dites, ah, le pasteur est venu vraiment vous fouetter aujourd'hui. Mais je vous dis la vérité. L'offrande de la dîme que vous mettez dans le panier, c'est pour le pasteur. D'accord. La maison, c'est les cotisations et les comités qui vont payer. Ah! Et là, les gens commencent à se poser des questions. Je crois que monsieur va salir. Ah! Je viens du Congo. Maman Toumba vient de Kinshasa. Maman Toumba vient du Congo. Pasteur n'a choisi pas. J'étais pasteur en Bilza. À la fin du mois. La fin du mois. La consommation offrande la dîme. Tout ce qu'on a donné, offrant de dîme. Jamais dans la direction générale à Chouapa. Bonjour, loyer, papa. Les comités. Et les fidèles vont payer. Et les soutiens. Et tout, ils vont travailler pour ça. Bon, voilà. Merci beaucoup, les frères et sœurs. Maman, l'obiné. Ah, les soutiens. C'est une grande dame d'évangélisation. Elle était à province de Bandundu. Elle a dirigé le province de Bandundu. Maman, banane, ma fouta kandaku. Ah, voilà, clamons le Seigneur. Elle était provinciale à Bandundu. Amen.
Alona, mbongo ya batula, mbuko ya masumu bako pesa ngai na kopesa yo kuliana bana na oba sama alamu, mbongo wa. Amen. Mama Zona. Merci maman, acclamons le Seigneur pour moi. Chico, ma bête est de ma côté, ma toi. Ah, est-ce que vous n'êtes pas chopé? Ma bête est de ma côté. C'est vrai. Mais non, c'est pose des questions. Mais on a le bête, ma camoussou, c'est tout ça pour battre la ville pour vous. Mais on ne vous dit pas ces choses parce qu'on mesure votre foi, les degrés de votre foi. Tout ça pour qu'elle la souka. Nous allons vers la fin. Pour la copie, ma camoussou. Pour sortir de ces choses. Ton copie qui s'en va vers ma camoussou. Des choses vont nous aider. Ce qui ont dit qu'on vit dans ma cambole. Si tu veux t'échapper de ces choses, fais-toi ça là ensemble. Pour que tu appartiennes vraiment Dieu. Dans ma cambole, deux choses. Yalibosso. La première. Au canal de Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 6. 6. Verset 4. 4. Oh Yalibosso. Deutéronome 6, verset 4, il est écrit. Amen. Écoute. Allez-y. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Quitte. Continue. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ok. Tu les. Continue. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur des poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Linga. Amen, Lingala. 4. Yoka, Israele, Yahweh Ajalin Djambe Nabiso, Yahweh Moko, Pe Akolinga Yahweh Djambe Nayo, Na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na nguya na yo mobimba. Maloba oyo, malakeli ngai, yo lelo, makojala na motema na yo, pe akolakisa yango na etingia na bana na yo, pe okosolola pona yango, wana ekofanda yo na ndaku, pe wana ekotambola yo na nzela, pe wana ekolala yo, pe wana ekotelema yo, Oko kanga yango lokola elembo na loboko na yo. Pe eko jala lokola bikaniseli na kati na miso na yo. Oko koma yango na makonji na monoko na ndaku na yo. Pe na bikuke na yo. Alléluia! Amen. Oye zale ali bosso yo kobiki sa yo. Ça c'est la première chose qui va t'aider. Awa zamba la vete ngande na zale zambe na yo. Gai mboko. L'Éternel est votre Dieu. Mon souci en salité. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça veut dire, dans ta vie, que Dieu occupe la première place. Et ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, que Dieu t'a prescrit aujourd'hui pour ta connaissance. Que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et que cette prescription demeure dans ton cœur. Si tu les déposes dans ton cœur, que tu enseignes à tes enfants, après les avoir enseignés, que tu écris sur tes mains, pour ne pas oublier. Si ce n'est pas ainsi, tu peux écrire même à côté de ton lit, même sur la colonne de ta maison. Tu vois les mamans lorsqu'ils préparent la cuisine. C'est quelque chose pour ne pas oublier. À la cuisine là, tu as un petit papier et pour ne pas oublier.
Aime l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Que l'Éternel Dieu occupe la place principale dans ton cœur. Même si tu es en difficulté, tu sauras faire la part de Dieu et la part des hommes. Tu sauras faire ta part et la part de Dieu. Parce que ton, le corps ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. Le corps ne t'appartient pas. C'est le corps, le temple du Saint-Esprit. Ah, mais il y en a qui se détournent de l'œuvre de Dieu, pas de Dieu, parce que la chair ne supporte pas. Si tu ne sais pas donner la place principale à Dieu dans ton cœur, tu n'es pas encore digne du Seigneur. C'est alors que Jésus a dit, si tu aimes ton mari plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ton fils plus que moi, tu n'es pas encore digne de moi. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, tu n'es pas encore digne. Tu n'es pas encore digne. Aimer Dieu en première position. Accorde à Dieu la première position. Parce que Dieu n'est pas dans ton cœur. C'est alors que tu ne sais pas donner même la dîme. Amen. Bien aimé. N'aie pas donné la dîme. Tu cherches des problèmes contre toi-même de la part de Dieu. Mais si Dieu déverse la malédiction, même autant de prophètes vont intercéder, personne ne peut enlever. Mais si ça vient du diable, les sorciers, là, un seul pasteur, un seul serviteur de Dieu peut les chasser. C'est lui qui a Dieu dans sa vie peut les chasser. Voici la nouvelle année qui va bientôt arriver. Janvier. Au mois de janvier. Commencez à donner à Dieu la dîme. Et tu verras la même puissance de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Le deuxième élément. Ah, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3, épître. Verset 14 à 18. 14 à 18 et on va fermer nos livres. Je sais que maintenant vraiment vous avez faim, c'est depuis longtemps que vous êtes ici. Et on sent déjà l'odeur de la nourriture. Alléluia. Amen. Tu vas manger, tu vas même laisser. Ça, c'est la nourriture spirituelle qui va t'amener jusque dans la vie éternelle. Lisez bien aimé. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Mais au matin, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Continuez. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles comme là. Il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Lingala na lomba. Lingala hatidu. 14. Amen. Bisoto yebi ete
tosili kobima longwa na kufa pe kokota kati na bomoi po ete tolingi bandeko ye oyo akolinga kate atikali kati na kufa 15 moto na moto oyo akoyinaka ndeko na ye azali mobomi na bato pe toyebi ete moto na moto oyo akobomaka bato azali na bomoi na seko koumela kati na ye te 16 tosili koyeba bolingo na popo ete ye wana azopaki bomoi na ye mpo na biso ekoki mpe na biso ete tosopa bomoi na biso mpo na bandeko 17 nde soko moto nani oyo azali na biloko na mokili amoli ndeko na ye na kozanga mpe akangeli ye motema na ye bolingo na nzambe eumela kati na ye boni otuna 18 bana bolingana na bolingo na maloba te soki na monoko te kasi na bolingo na misala mpe na solo. Alléluia. Amen. Mettez la Yesu maboko. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Si nous sommes passés de la mort à la vie, et que nous sommes vivants, c'est à cause de l'amour du prochain. Amen. Amen. La Bible témoigne, c'est lui qui n'aime pas son frère, cela veut dire, c'est lui qui a de la haine envers son frère, Azali Mokoumi Naba. C'est un meurtrier. Bien aimé, je vous rappelle. Combien de gens tu as des rancunes dans ton cœur contre toi? Jusqu'aujourd'hui, la haine est dans le cœur. Nous devons entrer avec un cœur de pardon dans la nouvelle année. C'est lui qui est son frère est un meurtrier. Et le meurtrier n'a pas la vie éternelle. Ce n'est pas seulement les impudis que les adultères, mais ceux qui ont de la haine aussi. Il y a d'autres, les beaux frères, les belles sœurs sont maltraités dans leur maison. Tous aussi, si ton mari a eu des enfants avant le mariage, ses enfants souffrent dans la maison. Alléluia. Amen. Même des belles-mères, surtout, et des beaux-frères. D'autres, ils ne donnent même pas accès à la belle famille de venir dans la famille de l'homme et de la femme. La haine. Des fois, tu as de la haine contre ton mari. Alors que vous êtes une seule chair et tu as de la haine contre lui. Ah, tu te hais toi-même. Et l'affaire, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. D'autres ont de la haine à leur femme contre leur femme. Et ça, moi, je suis un peu de la haine. Mais tu l'as aimé, pourquoi tu l'as haine contre elle maintenant? Tu ne veux plus l'écouter. Et sa voix commence à te déranger. Tu risques d'aller en enfer. Tu iras en enfer. Je vous ai dit au début qu'une année de moins. Et nous approchons de la mort. Alléluia. Amen. Amen. Vous oubliez que la mort existe. Alors que la voie par excellence. Comment est-ce que tu vas arriver auprès du Seigneur? Tu ne caches pas. Mais tu dois te préparer pour bien arriver. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, petit enfant. N'aimons pas seulement en parole. Aimons dans les actes et
dans la vérité. Amen. Si tu as de quoi vivre, aider les autres. Et un frère vient. Tu les laisses partir affamé. Mais où est l'amour de Dieu? C'est alors d'autres, ils voulaient faire des semoules. Un visiteur vient, non, maman, là, tu as oublié de laver les bébés. Alors que l'eau était pour les enfants. Mais parce qu'il y a des frères qui arrivent. Ajoute encore de l'eau pour la vaisselle. Moi j'ai vu dans un théâtre, il mangeait et quelqu'un a très bonjour et il a mis l'assiette en dessous. Alléluia. Amen. Et commençait à parler avec les visiteurs et les chiens d'entrée et les chiens mangeaient et les chiens ont tout fini et lorsque le visiteur est parti, il voulait le regarde vraiment là où ça nous amène. Aime ton frère dans les actes. Alléluia. Dans le temps de la fin. Les gens vont même haïr leurs parents. Je ferme la Bible. Ton père et ta mère. Là où ils sont. Est-ce que tu as contact avec tes parents? Est-ce que tu te souviens de tes parents? Est-ce que tu les aimes? Oui. Il n'allait pas même un coup de fil en Afrique chez tes parents, même ici en Europe. Et même les parents. Maintenant, laisse tomber les paroles des charnels. Mais dans l'esprit aussi, tu as spirituellement, tu as des parents. Spirituellement aussi, tu as des parents. Qui suis-je? Alléluia. Amen. Mais si tu as la haine contre moi, si tu m'injuries, si tu parles mal contre moi, si tu m'injuries, si tu t'opposes au ministère que Dieu m'a confié, alléluia. Quelle est ta position? Bible. La Bible nous dit. Les bénédictions de Dieu commencent dans la tête d'Aaron, dans ses joues, par les habits. Je vous dis la vérité. Vos bénédictions passera par chez moi et viendra chez vous. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous invitons Pasteur Gabriel pour 2 minutes. Recevons Pasteur Gabriel dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vraiment, tout le monde s'est mis en Amen. Nous sommes ravis des gens. Pour nous promouvoir dans le beau temps de l'année pour les sous. Pourquoi la famille? Mais ma personne a 2 minutes pour nous gagner le temps. Mais m'accorder 2 minutes parce que nous courons derrière le temps. Ah, les gars qui a coulé, boy, vraiment ceux qui les lots vendent du boy, mais si pour nous. Si nous sommes aujourd'hui dans ce lieu, ils le bosso pour l'angolo dans Zambé. C'est pour la grâce de Dieu. Yami Balé, Zambé a utilisé Bartoné. C'est Dieu qui a utilisé ses enfants. Avec le travail qu'on a fait, je ne suis pas seul. Ensemble qu'on a travaillé, nous sommes venus comme ça. Alors, je suis dans la joie de parler. C'est vrai, je vais vous présenter l'église d'Anvers. Vraiment, basali nous salamons.
Ils ont vraiment travaillé. Je n'ai pas écrit, mais eux-mêmes ont travaillé. Il y avait la participation de tout et chacun. Donc tout le monde participe. C'est une bénédiction pour nous. Je demande aux frères d'Anvers et de sœurs, ceux qui sont ici peuvent se mettre debout. Lèvons-nous dans le nom de Jésus, encore mort pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a d'autres qui sont dans la cuisine. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi.